Captain Roman Smith. Ah oui. Oh oui. Donc on est au lendemain d'une date que tu as fait aux Essarts. Donc au Bloodcat Café. Oui. Alors, tes impressions, bien? Le Cap Roman Smith aimait très bien. Oui. Bon accueil. Oui, oui. Le très public. Différents gens. Oui, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, oui, beaucoup, tous les âges, parfait. On va revenir un peu sur ton parcours pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, Roman Snuff, donc tu es issu d'une famille de musiciens en fait. Ton père est grand artiste de jazz, Peter Baptiste. Ouais. Ta mère est professeure de violon. Oui. Oui. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui tu es musicien? Est-ce que c'était un peu ta destinée quelque part? Peut-être, oui. Oui. Peut-être, mais oui. Dans les années 80, tu formes plusieurs groupes. Tu apparais dans quelques projets musicaux. Mmh. Puis en 2005, c'est la révélation. Tu rencontres Bjarne Melgaard, un artiste peintre. Oui. Et c'est de là qu'est né Roman Snuff, en fait. Mmh. On peut nous en parler un peu. Le nom, oui. Oui. Il a fait des peintures et des photos et comme ça, des musculations. Ouais. On a fait des musculations ensemble aussi. D'accord. Pratiquement. Quand tu étais prof de gym, peut-être. Oui. Ouais. Oui. J'étais entraîneur de musculation. Hey, 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 hey. En 2008, tu sors ton premier album, Alte Dorsch. Oui, chez Alfred Hilsberg, c'est un très connu producteur de musique en Allemagne depuis 1980. Il aimait bien qu'un auditeur fait de musique. Peut-être il aimait la musique aussi un peu, et les lyriques. Oui. Tu as été engagé dans la marine pendant 5 ans sur un navire marchand. Peut-être. Tu as traversé tous les océans. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Enfin, est-ce que c'est cette vie de marin qui a inspiré tes chansons comme Salzig Schmeck der Wind ou Trag die Wag den Boot? Ahoy. Ahoy. Ou La Rochelle. Ahoy. La Rochelle. Ahoy. La Rochelle, c'était une longue histoire, mais tu peux pas raconter ça. Non. Non. Non, non, non. Non. Dans quelques albums, tu chantes en français. Ouais. Bonnie and Clyde de Gainsbourg ou Nathalie de Gilbert Bécaud. Qu'est-ce que ces chansons... Pourquoi avoir choisi ces chansons et qu'est-ce que la langue française t'inspire en fait? Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Peut-être que ce sont chansons qui m'accompagnent toute ma vie. Et je voulais expérience comment ça sent quand je fais une version de Roman Snuff de ça. Ouais. Okay. Je crois les résultats sont un peu... Ça me fait un peu content. Un peu. Depuis peu, en fait, il y a le Christian Asbach, le deuxième chanteur qui apparaît sur tes albums et sur scène de plus en plus. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il sera toujours aussi présent dans l'avenir? Oui, toujours. Ouais. J'espère toujours. Oui. Okay. C'est une grande Ergänzung. C'est une Google Ergänzung. De la voix de Captain ils chantent vraiment, le capitaine raconte. Okay. On trouve ça, c'est parfait. Oui, c'est un bon mix, un bon mélange. Un prochain album, prochaine tournée. Oui, 2016. Du théâtre, oui, peut-être. Oui, théâtre aussi. Beaucoup. Oui, je n'ai pas promis
quand c'est le prochain, quand il y avait le prochain album. Le capitaine est tout seul sur la route pour le moment, visiter l'Espagne, la France, trouver de nouvelles inspirations, peut-être. Oui, ça, c'est ça. Oui, commencer du truc avec le. Oui, enregistrer un peu. Oui, on verra. Et pour finir, un petit mot pour les fans français. Oui, merci à toi, merci à vous tous, merci à les Essarts. Si vous voulez, le capitaine reviendra bientôt. Ah oui!